Et voilà, toujours en direct du Salon Inclusive Day, toujours en direct sur Twitch et sur LinkedIn, Talentéo Live on Air. Et ben c'est la fin, ça y est, la journée se termine. Mais alors, quelle journée, mes amis, je suis épuisé. Je n'en peux plus. Et en plus, j'ai une invitée extraordinaire. Pas n'importe qui. Elle s'appelle Sophie, elle est habillée en vert. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Alors, d'autant plus que tu es la directrice de l'Inclusive Day. Oui. C'est pas rien. Comment on devient directrice de l'Inclusive Day? Comment on devient directrice d'Inclusive Day? Bah déjà, on est là depuis le début. On suit. C'est-à-dire la toute première édition, on le suit. J'ai commencé par les contenus et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai pris la direction de l'événement qui existe depuis 8 ans. Et qui grandit de plus et en qui plus. Qui grandit chaque année ouais. Et on en est très heureux. Bah oui, c'est très très bien. Puis il y a une super ambiance, tout le monde est content. Ouais. J'ai l'impression que les gens ont le sourire. Ouais, bah ouais, oui. Là, je commence à faire un petit peu le tour. Alors, on n'a pas arrêté de la journée, mais c'est vrai que là, tous les partenaires viennent nous voir. C'est la clôture et ils sont tous ravis de se retrouver, d'avoir un événement en présentiel. C'est ça qui ressort bah oui, le plus. Bah oui, les belles oui. rencontres, bah oui, puis, avoir le temps d'échanger. On est à Paris en plus. On est à Paris, ouais. On est à la Défense Arena, un lieu magnifique. Voilà. Tout à fait. Très bel endroit donc, vous, qui est aménagé. Alors en fait, complètement accessible. Ouais, complètement accessible. On loue, donc on adapte ce qu'ils appellent le bowl, puisque c'est une pelouse, hein, c'est un terrain de rugby qui va devenir piscine olympique dans 10 jours. Très bientôt. C'est pour ça que cette année, on a notre événement en avril. Et donc effectivement, il est complètement accessible. On fait en sorte de ne pas utiliser les loges, de mettre les salles dans les gradins, avec un premier rang qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir assister aux conférences comme les autres participants. Voilà, de la vélotypie partout. On essaie de faire au mieux, on n'est jamais parfait, on peut toujours oui, s'améliorer. Oui, on s'améliore, mais bien mais, sûr. Mais voilà, on fait mais tout ce qui compte, peut. C'est de faire. Exactement. Donc tu disais, c'est la 8e édition? Oui. Bah, quand même, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Bon, tu es contente, donc tu as vu grandir ça au fur et à mesure? Oui, et puis là, on a, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de passer la barre des 5000 participants. Et, j'allais on te poser était, la question, donc quoi ouais. 5300. 5300. Et voilà. Un, parce que moi, je suis arrivé à midi. Donc je compte aussi. Voilà, je suis enregistré. 5300 plus 15%, donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis l'accueil, ils sont vachement bien. Parce que je suis arrivé, j'avais pas de badge ni rien. Ils m'ont ouais. tout expliqué. Ah ben voilà. Ils m'ont guidé, ils ont été super sympas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Comment tu as vécu aujourd'hui cette journée donc qui se termine? Oui, qui donc, se termine. Un grand ouf, j'imagine. Oui, un grand ouf. Dans 10 minutes, dans 10 un minutes, grand ça sera ouf. Ouais. Comment j'ai vécu cette journée? C'était intense. Ben oui, j'imagine. La préparation, c'est toujours. Très particulier et dense, oui. La journée d'un événement parce que ça fait des mois qu'on bosse dessus, bah oui. Que toute l'équipe prépare, on attend ce moment j'imagine, avec impatience et en même temps le jour J bah, passe à la vitesse de l'éclair, ouais. On n'a pas le temps de voir tout le monde, on se dit qu'il y en a de partout, mais il y a une grande excitation. Moi ce que je retiens toujours c'est cette énergie communicative parce que finalement c'est ce qui fait la beauté de l'événementiel, les participants, les exposants nous donnent de l'énergie. Oui. Qu'on reçoit et qui nous porte, même si on est éreinté, qu'on sort de mois de préparation, on est porté par cette belle énergie. Oui, par tous ces sourires, parce que c'est moi, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est que tout le monde sourit. Oui, c'est vrai. Et les gens vous accueillent avec un sourire, alors on peut aller dans des stands, changer, parler de plein de choses, c'est vachement bien. Il y a des belles rencontres. C'est vrai. Professionnelles, mais pas que. Pas que. Juste humainement, on peut rencontrer des gens très bien. Alors, combien de temps tu mets, enfin, toi et ton équipe, je présume, pour préparer un salon comme ça? Pour préparer un événement comme ça, tout mis bout à bout, il faut compter à peu près 6 mois. D'accord. Alors, pour lancer la commercialisation et autres. Après, sur la préparation opérationnelle de production, c'est plutôt 2-3 mois. Mais c'est vrai qu'on démarre 6 mois à l'avance. D'accord. Pour tout ce qui est commercialisation, conception de l'espace. Là, cette année, la grande innovation, c'est que la place de marché, qui historiquement était plutôt sur le fond de l'expo, on avait décidé, en voyant le salon se dérouler l'année dernière, on s'était dit on a besoin de remettre tous les exposants de la place de marché, tous ces prestataires inclusifs autour de la main stage pour créer une nouvelle dynamique. Et donc ça, bah ça se pense 6-8 mois à l'avance. Bah bien sûr. Ouais. Voilà. Et ça se vit quand tu arrives là, tu vois le résultat. Et quand on arrive et qu'on voit le résultat, on est hyper satisfait parce que ça a très bien fonctionné. Enfin, voilà. En plus, là, le studio est placé au cœur de cette, ah bah là, de cette place de marché. Et ça n'a pas arrêté parce qu'en fait, c'est le cœur, c'est comme une place de village. Absolument, ce que j'allais dire, tout à fait. Voilà. Et on est central en plus. Ouais. Donc je peux dire que j'ai affaire à une directrice heureuse? Complètement, épanouie et heureuse. Bah écoute, merci beaucoup, merci d'être venu nous voir. Merci. Bravo, bah, peut-être l'année prochaine alors. Bah, j'espère bien. On se retrouvera, on sera encore là. Mais avant, normalement, je devais. J'allais appeler Stéphane Talentéo à la fin. Alors je vais la refaire parce que ça lui plaît, ça lui fait toujours plaisir. Et maintenant, pour clôturer cette journée extraordinaire, Stéphane, est-ce que tu peux venir? Stéphane, on est content de te recevoir. Stéphane, tu as un petit mot d'adieu?
Eh ben merci Stéphane. Adieu. C'était non. rapide, mais merci. Non, au revoir. Régalé. T'as même plus de voix. Il a plus de voix, oui. C'est depuis le live pour Inclusive c'est Day. C'est notre live, oui, ce que j'allais dire. Merci Inclusive Day, j'ai perdu tout ce que j'avais. Merci. Non, tu es important pour nous, talentueux, ça continue. On se retrouve l'année prochaine ici. Ouais. Avec merci plaisir. De nous avoir reçus. On a passé une super journée. Ouais. Super journée. Ouais, super journée. Ben voilà. Merci à tous. À très bientôt. Ciao.